Hey, vous voulez voir un petit tour de magie? Alors c'est parti! Petit truc métallique se cache des petites pièces. Je vais les remettre à l'intérieur et vous allez devoir essayer de deviner où se cachent les pièces. Donc normalement c'est dans celui-là. Donc maintenant on mélange. Maintenant, où se cachent les pièces? Alors, si vous dites ici, c'est ce que nous allons voir. Eh bien non, il n'y a aucune pièce, on voit bien qu'il n'y a rien. Alors, c'est forcément dans celui-ci. Et non, perdu, il n'y a pas de pièces non plus. Bon, bah, peut-être qu'on va remélanger que ça va faire revenir. Ah oui, et au fait, là-dedans aussi, il n'y a plus rien. Donc, nous allons voir. Par exemple... Voilà les pièces! Elles étaient là! Eh oui! On les range et on va vérifier que dans celui-là, il n'y a pas de pièces. Ah bah si! Elles sont là les pièces! Hi! Aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés. Enfin, pas exactement en fait. Peut-être que vous le saurez. Vous l'aurez compris, mais moi ce que j'adore c'est tout ce qui est film, série, regarder un film, faire des films, s'inviter des films, se faire des films. Non, je déconne quand même là pour le dernier, c'était un peu un jeu de mots. Mais même si j'adore les films, tout ça, faut quand même bien l'admettre. Des fois, il y a des trucs qui sont... Enfin, voilà quoi. On sait très bien que dans la vie, ça se passera jamais comme ça. Bon, c'est pas non plus complètement irréel comme dans les pubs. Mais quand même, dans les films, il y a quand même des trucs qui font que tout est toujours parfait. Tout est toujours calculé. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de faire un petit movie versus life. Ou les films vs la vie, bref, ce que vous voulez. Tout de suite, les images. Perspective. Enfin, l'heure de la pause café. Hein? Celle-là. Ah, enfin, l'heure de la pause café. La cargaison a été livrée. Il faudrait que tu dégages cette roue. On va sortir l'autre. Mais Maya. Il fait si froid. Je ne sais pas comment ça va tenir l'hiver plus longtemps. Si on rentrait, parce que j'ai très froid là. Allez. Mon Dieu, des zombies! Mon Dieu, des zombies! Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Putain, je mets 3 heures en vue ce truc de merde.
Ah, c'est bon. J'ai à peu près fini d'enlever tout ce bleu. Génial. Voilà. Tu sais, ça tombe super bien. Oui. Parce que j'ai eu une super idée. Maintenant qu'on a terminé de tourner le film Avatar avec ses personnages bleus, là, je me suis dit, on va tourner un film où cette fois tu ne seras pas en bleu, mais tu seras en jaune avec ça. J'ai déjà tout acheté. Et ça s'appellera Les Mignons. Je démissionne, je pars, je m'en vais. Non, j'ai... Mais attends. Je dois quand même pas être si dur que ça à enlever, hein. Ça se voit à peine. Ça se voit à peine, quoi. Ça s'enlève facilement, mais... Bienvenue dans ma chambre. Il y a 100 ans. Donc c'est censé être du latin ou un truc comme ça. Mais là, c'est incompréhensible, là. Je comprends pas, moi. C'est pas de l'anglais, c'est pas du français, ni du vieux français, c'est pas de l'italien, c'est pas de l'hébreu. Ça veut rien dire, là. Ça veut rien dire. À la limite, t'as pris ton gamin, tu lui as fait dire, bah tiens, tu mets des lettres, et puis voilà. Ou non, t'as fait au hasard. Non, mais parce que ça veut rien dire, là. Non. Tant pis. Écris-moi, un truc bon, là. Bah, j'ai envie de changement, j'aimerais totalement changer quoi, j'aimerais changer de look pour qu'on me reconnaisse pas, mais qu'il soit bien aussi. On sait bien que c'est moi, on reconnaît franchement, je suis rose, voilà, mais merci quand même beaucoup, c'est bien, ça fait pas trop de changement, d'un coup c'est parfait, merci beaucoup, merci monsieur, au revoir. Ah mais carrément, mais attendez, mais... Mon dieu, mais là on me reconnaît plus du tout, hein! Ah non, non, mais c'est moche, hein! Ah non! Quelle horreur, qu'est-ce que vous avez fait, hein? Quelle horreur! Ok, on avait exactement 5 minutes pour pirater le mot de passe de son ordinateur, rentrer dans la base de données et tout copier et les envoyer par mail sur notre ordinateur et effacer le mail. C'est parti. Voilà, fini. Allez, putain de merde là, il va arriver. Enfin, on ne peut rentrer dans son ordinateur. Ensuite, il faut tout recopier. Aujourd'hui, Michel, 40 ans, cherche désespérant l'amour. Malheureusement, il n'a jamais trouvé personne. Prouvons-lui que tout peut être possible. Pourquoi je suis toujours obligée de porter des ailes blanches? Mais je veux dire, pour une fois, pour changer. Voilà, je les enlève. Pour changer. Tiens, on va pas prendre des ailes noires plutôt?
On va se coucher. Il est 21h, mec. Que 21h. Ah. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à lundi prochain. Rendez-vous pour une autre vidéo lundi prochain. C'est pour ça que je dis à lundi prochain. Bref, voilà. Surtout, passez une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Hey, toi qui es derrière ton écran, n'hésite surtout pas à cliquer sur ce bouton pour t'abonner à ma chaîne. Allez, ciao !